Eh bien le bonsoir les potes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Du coup les petits potes, eh bien, nouvelle saison, du coup, la deuxième boutique de cette saison. Bon personnellement moi je suis pas déçu de cette saison. Alors je sais pas si t'en penses quoi Léa, mais moi en vrai la saison, bah je trouve qu'elle commence bien, ça change un petit peu. Il y a plein de passages secrets, et plein de secrets et tout. Et moi j'aime bien cette map. Nouveaux endroits, etc. Je vais même plus aux nouveaux endroits qu'aux endroits qu'il y avait de base, les, genre les villes, etc. Je vais plus vraiment beaucoup, je vais quasiment que dans les nouveaux endroits. Parce que je trouve que c'est, ça change. Et... enfin, c'est nouveau quoi. Quand c'est nouveau, on a envie d'y aller quoi. C'est normal. Du coup, c'est parti pour la boutique, les tipotes. Du coup, on a enfin disponible le skin. Du coup, bah, qui était disponible pour tous ceux qui ont participé à l'événement. Enfin, l'événement, si on peut appeler ça un événement. Un tournoi plutôt pour les PS4, même pas pour toutes les consoles. C'est juste que pour les PS4. Donc, moi, j'ai pas pu participer parce que j'ai pas de PS4. Donc, forcément, ce skin là, du coup, pour ceux qui ont participé et qui ont fait beaucoup de points, etc., ont eu le skin Tango. D'ailleurs, je l'ai vu personne l'avoir, donc je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui jouent sur PS4 ou si pas beaucoup de gens ont réussi à l'avoir, je ne sais pas. Je sais pas. Ce skin coûte 800 V-Bucks, du coup. Moi, personnellement, je voulais l'acheter en plus à la première fois que je l'avais vu dans la boutique. Bah, dans le fichier du jeu, normalement, il devait sortir à la saison précédente et finalement, ils l'ont fait sortir cette saison-là. Du coup, c'est le deuxième skin nouveau. Enfin, on peut dire plutôt troisième skin, puisqu'il y avait eu deux skins déjà hier. Mais bref, vous avez compris. Du coup, il coûte 800 V-Bucks, donc j'ai pile poil la somme. Donc ce petit skin, bah comme je le voulais la première fois, je le veux toujours la deuxième fois. Je sais pas ce que t'en penses, Léa, de ce skin. Moi, j'aime bien. Personnellement, je trouve que j'aime bien. Il est simple, il n'est pas plus... enfin, pour plus sur les bugs, je trouve que c'est bien, le skin. Et en plus, il a une pioche ouais. Avec et un sac à dos. Ce qui est dommage, ce sac à dos, je pensais qu'il serait avec, tu vois. Ils l'ont fait séparément, je trouve ça un peu dommage. Qu'ils n'ont pas mis avec le skin, du coup. Parce que le sac à dos, je trouve qu'il est stylé en plus. Enfin, je sais pas, je l'aime bien. Il va avec le skin, quoi. Il a une arme sur le côté. Enfin, il y a un côté, voilà, combo un petit peu. Enfin, je trouve ça un peu dommage qu'ils l'ont mis séparément, encore une fois. C'est 200 V-Bucks pour un sac à dos, c'est cher quand même. Je trouve que c'est un peu con, je trouve. T'as mis séparément un sac à dos. Je sais pas ce que t'en penses, c'est par rapport à ça. Je sais pas si t'es le même avis que moi, que c'est un peu con. Qu'ils l'ont mis séparément. Ouais, c'est con. Je trouve que c'est con, il aurait dû le mettre avec. Bah oui, tu sais, comme le skin 200 V-Bucks, la fille que t'aimais bien, la skin un peu violet, là, que t'aimais bien en boutique, qui est sortie. Qui est sorti plusieurs fois en boutique, d'ailleurs, toute une semaine. Ouais. Bah là, c'était pareil, ils l'ont mis séparément aussi. Je trouve ça dommage parce que je pense pas que beaucoup ont acheté les deux ensemble en vrai. Ou alors, ils ont peut-être plus de V-Bucks prévu. Moi, par exemple, je peux acheter que le garçon, je peux même pas acheter le sac à dos. Donc, je trouve ça débile de mettre. Il manque 200 V-Bucks, je pourrais même pas les acheter quoi. C'est un peu bête. Et du coup, il y avait la pioche ouais. Du coup du skin. La griffe stylée, elle s'appelle. La pioche est plutôt stylée aussi. Je l'aime bien en vrai parce qu'elle va bien avec le skin. Et on n'a pas beaucoup de pioches comme ça, genre. Il est très fin avec deux couleurs comme ça. Il n'y en a pas beaucoup de comme ça en fait. Donc ça va. Les jeux qui a beaucoup de monde qui aiment mieux les pioches fines comme ça. Parce que c'est plus discret et tout. Le bruit de la pioche elle est pas mal. Hein. Ça va. Hein. Elle a un bruit métallisé donc je trouve ça stylé. Donc même la pioche j'aime bien. Donc le petit skin, et ben, je vais l'acheter. Parce que j'avais dit que je l'achèterais. Je vais essayer de rejeter sauver le monde aujourd'hui si j'ai le temps. Pour pouvoir avoir le sac à dos avec. Sinon ça fait un peu stupide par le sac à dos. Parce que j'ai pas vraiment beaucoup de sac à dos avec la couleur du skin. Donc en vrai. Voilà, le petit skin est dans mon casier, du coup. Du coup, on est bon pour ce nouveau skin, le skin Tango. Du coup, on a également le petit retour de pas mal de skins. Et on a également une nouvelle danse. Je vais voir ça tout de suite. En plus, je crois que la danse, je l'avais vue un peu parce que hier, elle a eu quelques fuites des nouvelles danses qui allaient sortir. Donc, j'ai un peu vu, je pense savoir c'est laquelle. Du coup, on a le retour du skin Songe que je possède. D'ailleurs, c'est un skin qu'on m'avait offert en plus, ce skin-là. Je ne l'avais même pas acheté moi-même, on me l'avait offert à l'époque, il était sorti. Ce skin, bah, c'est un peu l'emblème de la saison 6, pour ceux qui se souviennent ou qui étaient présentes. Pour l'événement de la saison 6, on avait un événement, je sais pas si tu te rappelles Léa, il avait un événement, tu sais, il avait un papillon à la fin, tu te rappelles? On avait un petit papillon et tout. Ouais. Et bah, beaucoup de gens ont fait référence au skin Songe, parce que derrière, elle a un papillon exactement le même qu'il y avait dans l'événement, mais vraiment le même, c'est la faille quoi, c'est une petite faille. Donc je sais pas si Epic Games vous fait un clin d'œil par rapport à la saison 6, parce que ce skin est sorti deux saisons plus tard, donc... c'est possible que ce soit une sorte de référence, une sorte de petit clin d'œil. Souvent, Epic Games font ça en vrai. J'ai remarqué souvent qu'ils font des petits clins d'œil à certains skins, du coup. Donc, je pense que voilà, ce skin-là, beaucoup de monde l'aime bien aussi pour cette raison. Il est très beau en plus. Vous avez également le skin Luminos. Celui-ci, par contre, je le me suis acheté. On ne me l'a pas offert, celui-là. Et ce skin-là, bah, il est magnifique aussi. Mon chat qui appuie sur les touches. Arrête d'appuyer sur les touches, mon chat. T'as enlevé la boutique, là, excusez-moi. C'est mon chat qui appuie sur la touche échappe, là. Il a tout enlevé. Bref, du coup, je disais, là, le skin coûte 1500 V-Bucks. Il est juste magnifique. Vous avez également, du coup, la pioche, du coup, 1200 V-Bucks. Que je jouais, d'ailleurs, beaucoup avec. D'ailleurs, c'est longtemps que je l'ai pas joué avec cette pioche. Mais c'est vrai que
la couleur de la pioche, bah j'aime bien mettre les skins de même style. Voilà, en avoir un ensemble quoi. Du coup, la pioche, franchement, elle est belle. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve qu'elle est belle. Elle est certes, ouais, elle est un peu grande. Moi j'ai beaucoup joué avec, elle est vachement grande. Mais le design et l'animation de la pioche est top. Après, si vous avez pas trop l'écran de pioche, c'est vrai que vous jouerez peut-être pas beaucoup. Mais si vous en foutez de la taille de la pioche, etc. Si vous aimez juste le design, bah elle est top. Même le bruit, elle est top. Franchement, pour avoir beaucoup joué avec. Ce planeur là, pour ceux qui s'en souviennent, on l'a eu du coup. Également. Je crois qu'on l'a eu gratuitement ce planeur là, si je m'en souviens bien. Il me semble qu'on l'a eu gratuitement, je l'ai pas acheté. C'est tous ceux qui avaient participé à l'événement. Et comme il y a eu pas mal de gens où il y avait du mal à aller à l'événement, parce que sachant chaque événement, pour ceux qui se souviennent, il y a énormément de gens qui participent à l'événement. Du coup, bah, il y a des bugs, par moment ça peut arriver. Ah, vous imaginez, il y a un milliard de gens qui se connectent en même temps sur un serveur. Ça fait abondamment, ça fait un petit peu de bugs, c'est normal. On peut pas non plus les games, on peut pas être partout à la fois. On peut pas non plus les blâmer non plus. Du coup, pour récompenser pour tous ceux qui ont participé à l'événement ou qui étaient connectés pendant les périodes de l'événement, on a eu tous ce planeur gratuit. Donc je l'ai même pas acheté. Pour ceux qui se souviennent ou qui étaient là pour la période de cet événement, du coup, la saison 8, voilà. Ça fait plaisir d'avoir des petits trucs comme ça qui Epic Games nous offre gratuitement sans demander quoi que ce soit. Et tous ceux qui l'avaient acheté, bah, ils étaient remboursés du coup. Donc c'est plutôt. Moi, je m'en souviens parce que le planeur là, il est beau. Puis il est. Voilà. C'est un planeur quand même magnifique. Hein. Il est pas moche en plus. Ils ont pas non plus fait de la merde, hein, comme on dirait. Le petit revêtement du coup brise. D'ailleurs, c'est le seul truc de cet ensemble que je n'ai pas. Parce que je m'intéresse pas plus que ça. Parce que je trouve qu'il n'était pas très animé, il est pas moche, mais il y a beaucoup de revêtements similaires, donc voilà. Le revêtement, il est plutôt simple. Moi, je sais que Léa, t'aimes bien la couleur, c'est violet, mais je trouve qu'il est simple, quoi, le revêtement, tu vois. Il a rien ouais, de fifou. Donc, c'est pour ça que ce revêtement-là, je l'ai jamais acheté. Et puis, voilà, j'ai pas non plus tout acheté non plus. Hein. Du coup, on est bon sur cet ensemble. Le petit ensemble, du coup, qui est sorti hier, les deux premiers skins du pass de combat, j'allais dire, de la saison 2, excusez-moi. Du coup, la trancheuse du coup, dentelé. Ah oui, ça avait bug avec deux custom. Vous avez également le revêtement lueur jaune. Plutôt stylé. Alors, la couleur un petit peu. Un peu jaunâtre, un peu. Vous avez également le skin que je me suis acheté. Ça, c'est que je ne l'ai pas acheté tout de suite en plus, le skin. Je l'ai acheté vraiment il y a quelques heures. Parce que je me suis dit, j'achète pas. Et j'ai un peu joué à Sauver le Monde aujourd'hui. Du coup, j'avais presque assez de bugs. Du coup, je me suis pris au final. Du coup, voilà. Le petit skin I'm just a bug. Il est plutôt stylé, hein. J'ai joué beaucoup avec aujourd'hui, donc depuis que je l'ai acheté d'ailleurs. Donc en vrai, il est stylé. Du coup, on est bon. Ensuite, il y avait également la skin Terra, qui est très stylé aussi. Que j'aime beaucoup sur son sac à dos. Le plus, même si l'affiche, je trouve qu'elle est stylée, le sac à dos, il est avec une espèce de tête de mort, mais je l'aime bien. En vrai, j'achèterais la skin juste pour le sac à dos si je m'écoutais. Mais on peut pas tout acheter, les potes, mais voilà. Peut-être la prochaine fois que sortira, peut-être que j'achèterai peut-être. Hein. On ne sait jamais. Hein. Peut-être, hein, parce que là, on peut pas tout acheter, mais voilà, voilà. Du coup, on a également la pioche de la fille. Du coup, infiltratrice. Bon, puis ça avait bug également avec deux customs comme l'autre pioche du garçon. Voilà, plutôt stylé. On est bon sur cet ensemble. Le petit retour du skin Sanctum, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu. Skin qui est sorti le deuxième Halloween plutôt de Fortnite, parce que là-bas c'est le deuxième Halloween. Du coup, qui était à la saison 6, donc le skin vampire. Moi je l'aime bien. Regardez franchement, avec l'animation de la cape, c'est stylé. Franchement, moi j'aime bien ce skin. Tiens, moi j'aime tout ce qui est vampire, forcément. Le skin, j'adore, forcément. Logique. Il y a également le skin Assassin Arctic, l'un des tout premiers skins sur Fortnite, de la saison 1 du chapitre 1, du coup, parce que c'est vraiment... Ce qui est dommage, que ce skin n'a toujours pas de cadeau, malgré le longtemps qu'il est sorti, il a toujours pas de nouvelle custom non plus, parce qu'il est sorti il y a très longtemps. C'est dommage que PM ne faut pas sortir des custom ou skins qui datent de très longtemps, en vrai, mais peut-être un jour ils le feront, peut-être, on ne sait pas. Du coup, la petite... la danse, enfin l'emote plutôt, c'est plus une emote qu'une danse, PTDR que Léa possède, que j'ai jamais acheté d'ailleurs, mais j'ai plus de debug, donc je pourrais pas l'acheter de toute façon. Voilà, cette danse là. Vous avez également la petite pioche plure, du coup, pour lui servir bug, pioche de banane qui est sortie la saison 8, parce que c'est la période où il y avait du coup plein de bananiers sur la map, et le bug des pirates aussi, donc voilà. Vous avez également la nouvelle danse qu'on regardera à la fin. Également la petite emote du coup hallucination. Ah sinon, oh, c'est pas mal. Cette danse là, je trouve qu'elle est marrante. Quand ton crâne explose ou autre, tu vois. Ça peut être marrant à faire quoi. Du coup, la nouvelle danse, c'est parti. Oh. What? Elle est pas mal celle-là. Matsu. Ah ouais, je l'avais vu en extrait, mais dans la boutique, il est encore plus stylé en vrai. Et j'ai plus de debug. Oh non, je mets des debugs, ça veut dire. Oh.
Ah, mais elle est stylée. Déjà, tu fais des maths en dansant, quoi. Faites le bon calcul, interro. Non, sérieux. Ils ont vraiment fait une danse avec des plus, des fois, des multiplications, des égales et tout. Quand je dis qu'Epigame font des trucs what the fuck et que les gens achètent parce que c'est soit troll, soit drôle, soit marrant, soit stylé, enfin bref. Franchement, bah, je vais l'acheter après, hein, parce que j'ai plus de V-Bucks. C'est pas avec 10 V-Bucks que je vais aller loin, hein, vraiment pas. Je pourrais rien acheter avec 10 V-Bucks d'ailleurs. Du coup, les potes, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo de boutique. Et du coup, bah, d'ailleurs, demain il y aura une vidéo normalement. J'espère que j'aurai le temps de la faire. Je vais vous montrer les 4 endroits sur la map, du coup, les 4 endroits nouveaux officiellement. Donc le requin, le yacht, la grotte et du coup la plateforme qui est en bas de la map. Et je vais vous faire visiter l'endroit et vous montrer également où se trouve le coffre-fort. On ne sait jamais si ça n'a pas encore été ou si vous galérez. Où se trouvent toutes les cabines téléphoniques. Comment accéder facilement à tel endroit sans se faire repérer par les ennemis. Comment être habillé rapidement, enfin déguisé en leur, enfin qui ressemble à eux quoi en gros. Pour pas se faire repérer. Comment pouvoir passer, etc. de telle étape à telle étape. Comment aussi détruire du coup, enfin désactiver plus que détruire du coup les fameux comment on appelle ça, les mitrailleuses, les enfin tu vois, je sais plus comment ça s'appelle là, j'ai un trou de mémoire sur le nom, mais bref, vous avez compris, l'espèce de mitrailleuse, de caméra, etc. qui vous tient dessus dès que vous n'êtes pas habillé comme eux, enfin voilà, en gros comment les désactiver, etc. Tout est expliqué dans la vidéo, je vous ai montré un par un, je vais faire ça en montage parce que la vidéo sera beaucoup trop longue. Et du coup voilà, on se dit quoi, à demain les potes. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si c'est pas déjà fait, de mettre le petit code créateur si vous le voulez. C'est pas obligé, mais ça fait toujours plaisir. J'ai la gameuse en majuscule ou en minuscule. C'est exactement pareil. C'est gratuit, ça fait juste plaisir de que vous le mettez. Si vous le mettez pas, bah, c'est pas grave. Hein. J'ai pas non plus pour vous obliger à le mettre. Du coup, on se dit à demain. Et ciao!